Monsieur Dubé, ça va bien? Oui, vous-même. Très très bien, merci. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire quand même, parce que je sais que pas tout le monde est familier avec la société du chemin de fer de la Gaspésie, dans le sens où des fois il y en a qui pensent que ça appartient au gouvernement, à Via Rail, ou il y a eu une époque, je sais que ça a été. Est-ce que vous pourriez nous faire un peu un reflet de ce que c'est que la Oui. société du chemin de fer? Ben, la Société de chemin de fer, c'est un organisme à but non lucratif qui est géré par l'ensemble des quatre MRC de la Gaspésie où le chemin de fer passe, Avignon, Bonaventure, Rocher-Percé et Côte-de-Gaspé. Ce sont des élus qui sont sur le conseil d'administration. Puis nous, le but de la Société de chemin de fer, ben, c'est vraiment d'offrir le service de transport de marchandises sur ce tronçon-là. Fait que nos activités, c'est l'entretien de la voie et opérer, dans le fond, c'est offrir à nos clients de transporter la marchandise jusqu'à Matapédia, où ce que là, le CN prend la relève pour amener les produits à destination. Alors du coup, on connaît un peu tout ce qui s'est passé depuis déjà longtemps. Il y a plus de vraiment de trains qui circulent. La problématique est venue d'où et pourquoi ça c'est devenu de même? Ben, c'est une problématique qui remonte avant mon arrivée. Moi, je suis arrivé dans le dossier en 2000, 2014, suite à mon élection, parce qu'il faut être un élu. Fait que, avant ça, j'étais pas un élu. Mais je vous dirais que, tu sais, il y a eu des problématiques, là, justement, au niveau opérationnel, qui dataient, là, des milieux des années 2000, là, aller jusqu'en 2013, à peu près. Où ce que, fait qu'il y a eu des problèmes au niveau de la réhabilitation dans le temps. Puis, ce que j'ai compris là, un peu de l'histoire, ben, c'est que ça a amené la Société de chemin de fer en 2015 pour éviter la faillite, où ce qu'on a cédé la voie ferrée au ministère des Transports, parce que la voie ferrée, le chemin de fer appartenait à la société dans le temps. Mais là, depuis ce temps-là, on comprend que depuis 2015, la voie ferrée appartient au gouvernement du Québec. Ça nous a permis d'en arriver au résultat qu'on voit aujourd'hui, où ce que le gouvernement du Québec a réinvesti pour réhabiliter la voie. Puis nous, ben, on fait ce qu'on sait faire le mieux, ben, c'est d'offrir le service de transporter la marchandise et de faire l'entretien. D'accord. Alors là, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une annonce qui a pour que la société de chemin de fer de la Gaspésie reçoive un 19 millions de dollars. C'est bien ça. Et à quoi va servir cet argent? Dans le fond, c'est que dans le programme de réhabilitation, le gouvernement, pour ramener la voie ferrée jusqu'à Gaspé. On comprend que depuis 2015, nous, qu'on travaille pour que ça aille le plus vite possible. On comprend, là, il y a eu des enjeux de délai, d'administratif, de tout ça. Sauf que là, présentement, les échéanciers tiennent. Ce qu'on a convenu, puis ce qu'on a négocié avec le gouvernement, c'est que la société a développé de l'expertise, justement, au niveau de l'entretien. Fait que là, dans le fond, le gouvernement a mis à notre disposition des sommes d'argent de 19 millions pour qu'on aille faire des interventions sur la voie ferrée. Fait que nous, on va se concentrer à des plus petites structures, comprend que c'est pas nous qui allons changer les ponts ou réparer les ponts, mais tout ce qu'on comprend que sur le réseau, il y a beaucoup de ponceaux, des dormants, là, ce que les gens communément appellent des tailles en bois qui tiennent le rail, des remplacements de rail, des murs de soutènement. Fait qu'il y a plusieurs projets qu'on va être capable de faire à notre niveau qui vont venir accélérer justement l'échéancier. Parce que notre objectif, c'est vraiment de revenir le plus vite possible jusqu'à Gaspé. D'accord. Donc ça, c'est quand même un objectif qu'on imagine peut-être atteindre à quel moment. Je sais qu'on a beaucoup entendu parler dans les médias à cause de différentes annonces gouvernementales, puis il y a eu du recul, c'est revenu. Comment vous voyez ça, vous? Ben, je vous dirais que j'ai appris par expérience à plus dire de date, tant que parce que vu que c'est le gouvernement, ça lui appartient. Ce qui est prévu, là, on comprend que pour le deuxième tronçon, juste pour faire le point, tu sais, le premier tronçon, c'est Matapédia-Caplan. Deuxième tronçon, c'est Caplan-Port-Daniel. Puis après ça, c'est Port-Daniel-Gaspé. Là, présentement, l'échéancier est connu pour Port-Daniel. Fait qu'on sait que pour 2024, tous les travaux majeurs qui vont nous permettre d'aller jusqu'à la cimenterie vont être terminés pour 2024. L'échéancier, les contrats se sont donnés cette année. Il y en a qui sortent encore. L'échéancier est connu et réaliste et réalisable. Ce qu'on a demandé au ministère, c'est de nous faire le même exercice pour le troisième tronçon. Ce qu'on attend, c'est en début de 2023, l'évaluation de tous les travaux qu'il va avoir à faire pour se rendre jusqu'à Gaspé vont être connus de Port-Daniel à Gaspé. Et avec ça, ben, on va savoir comment ça coûte et aussi les délais.
Fait que là, le gouvernement vient d'aller en appel d'offres cet automne pour savoir, parce que pour essayer d'accélérer les travaux, ils veulent regrouper des appels d'offres, faire des plus gros appels d'offres, attirer des plus gros joueurs. Fait que ça, on devrait normalement savoir ça d'ici au printemps. Fait qu'avant de dire une date pour Gaspé, ben, je vais attendre que le ministère nous confirme et qu'on soit capable, nous, d'évaluer, de dire ben c'est réaliste. Parce qu'on ne veut plus revivre ce qu'on a vécu ou ce que il y a quelques années, c'était prévu pour 2026. Puis à un moment donné, le gouvernement a trouvé de dire on n'y arrivera pas. Fait que je vais me garder une gêne pour ça, puis je vais laisser au gouvernement l'annoncer cette date-là. Est-ce que dans les trois tronçons que vous avez nommés, il y en a un particulièrement qui est plus complexe ou que les autres? Bien, c'est sûr que le troisième tronçon, les défis sont grands parce que la voie ferrée est beaucoup le long de la mer. Puis on comprend qu'avec les enjeux aujourd'hui d'érosion, ça amène un défi plus technique. Tout est faisable, mais on comprend qu'il va y avoir des coûts reliés à ça. C'est pour ça que le gouvernement veut avoir l'analyse précise de tout ce qu'il y a à faire en tenant compte de la réalité d'aujourd'hui. Parce que quand il faut se ramener, que quand on recule dans le temps, tout probablement qu'en 2007-2010, ça aurait été un peu différent. On comprend qu'il n'y a pas eu d'argent d'investi depuis tout ce temps-là. Fait que ça ne s'est pas amélioré. S'il y a de quoi, ça s'est dégradé. Mmh. Fait que c'est pour ça qu'on va attendre de voir les résultats là, au printemps pour savoir ce quoi être aussi les enjeux techniques. Parce que l'objectif du gouvernement, dans la dernière année, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur le troisième tronçon, mais c'est beaucoup au niveau des analyses, avec des firmes d'ingénieurs qui ont été validées sur le terrain, faire des inspections pour savoir, pour être capable justement de connaître l'ampleur des travaux qu'il y aura à faire. Ben bon, en tout cas, merci beaucoup, M. Dubé, pour ces informations. Ça fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Comment faire plaisir à ce qu'on aime durant la période des fêtes? Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes, venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'ensemble de notre équipe se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Boutique Ariane Turbide au 99 Grande Allée Est à Grande-Rivière.